d'utiliser les options réglementaires et de fortes perturbations donc à prévoir du côté suisse de la frontière. Un anniversaire haut en couleur, il y a 50 ans, jour pour jour, les Alliés débarquaient sur les plages de Normandie pour libérer l'Europe de l'occupant allemand. 156 000 hommes ont posé pied sur le sol français ce 6 juin 1944. Des milliers de personnes ont fait le déplacement pour assister aux commémorations cette semaine. L'événement était notamment très attendu. Le pilote américain Jim Noble, 92 ans aujourd'hui, a été l'un des tout premiers soldats à s'engager dans la bataille d'un avion à larguer des parachutistes et qui avait pour mission de préparer le terrain au jour du débarquement du Noble. C'est la première fois que je voyais des Allemands. Nous étions sur le feu de la plaque, la défense anti-aérienne. J'étais certain de nous tous ce jour-là. Mais j'ai oublié ma peur. Je me suis concentré sur mon escadrille pour maintenir mon avion sur le bon alignement derrière l'appareil qui me précédait. Ensuite, nous avons largué le parachutiste et nous sommes retournés en Angleterre. Puis, l'officier commandant du nouvel avion de notre formation est venu dans la cantine où nous mangeons. Il a attrapé un fusil et a tiré sur le manche du mur pour la faire tomber. Nous nous sommes tous sur le seul homme pour aller mourir. Mon sentiment vers l'Allemagne, je suis en paix depuis longtemps. Aujourd'hui, je suis plus vieux. On est sans faute de bout en bout, 68,77 centièmes pour Yann.